casque et mon blouson. Sorti ma vieille gousse grise appropriée pour la saison 1. Peau de bison, hip-hop dans l'intérieur poche du baladeur, fait passer le fil par la manche. Au bord de la manche où tous les jours sont dimanche, piétine les flaques d'eau comme pour prendre ma revanche. Ma revanche sur les trottoirs, trop tard. Petit Apple commence la lecture aléatoire. Au premier rang de l'école du micro d'argent, l'étoile de métal et le pharaon croyant m'enseigne que demain c'est loin, que la vie c'est long, que seulement le salut trouvé, les salariés s'allonge. Encyclopédie musicale de Marseille, lorsque je détestais l'école et ses conseils sans oseille. On braque les scuds à la Fnac, c'est IAM, je suis en larmes à chaque fin de track. J'appuie sur avance comme sur la gâchette et sur l'écran s'affichent les suprêmes triple lettres. November, Tango, Mikey transforme Paris en Maki et Naki, le rap parkour des parkings. Le ghetto a ses Beatles, au disque à moins de 10 gus. Dans la caisse on bosse for my peoples. Mais la rouille, rongeur à la chaîne, tout sera moins cool quand Joe deviendra star dans les chaînes. Certains m'ont donné envie de connaître des choses et d'autres m'ont donné envie de chanter ces choses. Certains m'ont donné envie de comprendre les choses quand d'autres m'ont donné envie de gueuler ces choses. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. Lecture 1998, aléatoire 2006. Désormais on a le temps pour les regrets. Et malgré nous les choses se font de force ou de gré. Mauvais œil ou la rage des immigrés, lorsque la police scientifique traçait cette lettre à la craie. Indépendants qui créent l'émeute à chaque showcase. Radios et majors font semblant d'avoir des boules caisses. Révolution dans les songes, ils font évoluer le son. C'est le jour et la nuit sur chanson Booba. Ali Boumaillé, mon cœur est foudroyé. Voyez, rien ne sert de larmoyer ou d'aboyer. LUNA, TIC, y'a plus que des moitiés maintenant. Mes gens pleurent la voix des bâtiments. Empoisonner les ondes et les zones sans maison. Les dinosaures de Brazzaville ont déversé leur poison. Quelques gouttes suffisent pour polluer le fleuve. Alligator et crocodile dans un chef-d'œuvre. Monster de cérémonie, pas master, mais pasteur. À la parole cinglante, c'est l'inno mister. Mystérieux comme la nuque de la lune. Envoie ses couplets météores depuis la planète crapule. Sais-tu vraiment que tu resteras number one? Et combien de tes couplets j'ai rappé face à mon miroir? Ceci pour prendre à César ce qui t'appartient. De l'arsenic en flacon de parfum. Certains m'ont donné envie de connaître des choses et d'autres m'ont donné envie de chanter ces choses. Certains m'ont donné envie de comprendre les choses quand d'autres m'ont donné envie de gueuler ces choses. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. Lecture 1998, aléatoire 2006. Tous les juniors ont un idéal. Le mien s'appelait Kerry James et habité dans le Val-de-Marne. C'était notre Malcolm X à nous. Une panthère noire sur des remix à nous. Chaque morceau t'envoie des décharges émotives. C'est la conscience du rap, d'une musique punitive. Avalanche d'images et déluge de métaphores. À l'image de la main noire serrant la bannière tricolore. Disque d'or dans nos cœurs sans avoir vendu de disques. À l'époque où peu de rappeurs prennent des risques. Le combat continue sans arrêt. J'ai mal au cœur, aucun morceau ne nous refera cet effet. Et puis, changement de cap spirituel honorable. La suite logique à la suite d'un drame. L'intouchable tombe, un homme de foi est né. 2 ans plus tard, si c'était à faire album de l'année. 11 morceaux qui glacent le sang, redonnent naissance. Redonne son sens sans instance au terme conscience. À ce jour, son style est regretté. Une légende s'est éteinte, son retour on ne peut qu'espérer. Certains m'ont donné envie de connaître des choses et d'autres m'ont donné envie de chanter ces choses. Certains m'ont donné envie de comprendre les choses quand d'autres m'ont donné envie de gueuler ces choses. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. Lecture 1998, aléatoire 2006.
c'est le répondeur. Allô, Medine, c'est Sopra. Ça va ou quoi? Ben, je t'appelais pour savoir si comment où tu en étais avec ton album l'écriture d'Arabian Panthers. Moi, j'ai bientôt fini le mien. Ben voilà, comme ça, on commence à se pencher sur le Gin Record Street Skills. Tu sais, il y a des chaînes casse derrière qui ont la dalle, comme Boucher Double, Lazuija, Mido, toute l'équipe. Là, ils ont trop la dalle. Donc, faut qu'on s'y mette bien maintenant. Là, on va commencer à devenir des machines à écrire, toi et moi, à force d'écrire des albums, des featuring à gauche, à droite. Mais bon, on est là pour ça. Bon, vas-y, tiens-moi au courant et rappelle-moi dès que c'est bon pour toi, tout le monde est prêt. Allez, salam, poteau.